Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Je vais vous présenter la nouvelle gamme 2018-2019 Starter chez Redwood. Donc déjà des planches que vous connaissez, puisque même dans cette déco, on les a eues cet été. Mais la gamme s'étoffe. La gamme s'étoffe avec de nouveaux modèles. Donc il y aura une petite 8-6 pour les petits gabarits, une 9-6 pour les gabarits un petit peu plus lourds, une 10-3 pour le gabarit moyen, 70-80 kg. La 17 que vous avez sous les yeux, qui existait déjà, pour les gabarits un petit peu plus lourds, ou les gens qui veulent monter à deux, avec un enfant ou même deux adultes. Et une nouvelle 11-7 qui va être encore plus typée balade, un peu moins all-round, plus typé balade, un peu pointu avec un gros square tail. Vous pouvez retrouver de toute façon les photos directement sur le site. Après, pourquoi je vais vous parler que de la gamme Starter, parce qu'en fait elles ont toutes la même construction. Donc on est sur une construction double couche avec un PVC classique qu'on utilise sur le reste de la gamme, mais un drop stitch un petit peu plus léger. Un petit peu plus léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire en poids, évidemment, c'est un petit peu plus léger, mais c'est aussi des planches qu'on peut moins mettre en pression que les planches plus haut de gamme qu'on a, que la gamme Funbox Air Pro. Donc ça, c'est des planches qui vont accepter 15, 16, 17 PSI ponctuellement, vraiment ponctuellement sur des petites sorties d'une heure ou de deux heures. Après, il faudra les laisser entre 14 et 15 PSI globalement si vous les laissez gonfler. Donc après, la gamme, ça vous savez, vous avez l'habitude, vous nous contactez si vous voulez qu'on vous donne plus d'infos. Après, en termes de construction, on est sur une double couche sur le bord, ce qui donne quand même de la rigidité à la planche. On est sur un double couche sur le dessus et le dessous de la planche. On est sur une construction avec un pads usinés, donc vraiment un pads qui tient très très bien. Vous retrouvez le petit élastique, la poignée confortable qui est doublée avec du néoprène, la valve qu'on a sur toutes les autres planches. Sur cette gamme, on retrouve un seul aileron, ça nous permet d'économiser un petit peu d'argent par rapport aux trois ailerons qu'on met sur les autres. On a un aileron à glissière qui est aussi, lui aussi, un petit peu plus simple. Mais après, sur l'eau, on va être quand même relativement proche de la gamme Funbox Air Pro, qui va être, comme je vous l'ai dit, plus rigide, qu'on va pouvoir montrer plus en pression, donc des planches plus performantes évidemment, mais là on n'est pas sur un jouet de plage, on est sur des planches qui sont très très rigides et qui vont tenir la route. On économise aussi sur le sac par rapport à la gamme Funbox Air Pro, puisque là on met un sac plus simple, c'est pas un sac doublé en ripstop, reste un vrai sac à dos qui a des renforts partout où il faut. On n'a pas du tout de problème avec ce sac, qui est vraiment de bonne qualité. Voilà, donc le sac est très léger, ça c'est vrai que ça permet aussi de marcher sans avoir quelque chose de trop lourd. Là on retrouve l'aileron, donc l'aileron c'est un aileron à glissière, il y a des marques qui mettent ça sur des produits très haut de gamme, mais c'est vrai que ça coûte un peu moins cher à fabriquer et à poser qu'un aileron en US box, donc on privilégie l'aileron US box sur les planches un petit peu plus chères. Donc cette gamme là va de 299 € à 459 €, donc pour la 11-7, elles sont vendues comme je vous l'ai montré avec ce sac et avec la pompe. La pompe, c'est une pompe double action, c'est la même pompe qu'il y a pour le coup sur les planches plus haut de gamme, parce que la pompe c'est vraiment important pour monter les planches en pression facilement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de la taille qui sera la plus adéquate, appropriée à votre gabarit et surtout à ce que vous voulez faire, puisque c'est les deux choses qui vont être importantes, votre poids, votre taille, et puis si vous allez vouloir en faire seul, à deux, avec un enfant, un adulte, si vous voulez surfer, faire de la balade, faire les deux, du yoga. Donc voilà, on a une planche quasiment pour tout l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter, appelez-nous, vous savez qu'on est toujours dispo. À bientôt, ciao.